Salut petit cul, comment ça va? C'est Coachou. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes récompenses division rivale et futur champion, ça va arriver dans 2 minutes, donc j'ai le temps d'ouvrir mes divisions rivales. Division rivale, on va pas attendre plus longtemps. Je sais pas, j'ai fini quel rang? Je pense que j'ai fini rang 2. Je suis toujours en division 5, les gars. Je fais pas de fut rival et pour le peu de matchs que je fais, j'en gagne un, j'en perds un. Les gars, j'ai pas un niveau de malade. Hein. Donc on va prendre, moi je prends non échangeable tout d'abord pour les SBC. C'est pas tout d'abord, c'est ma raison principale, c'est les SBC. Les cartes, ils valent plus grand chose. Donc même si j'ai du 85-86, c'est pas ouf quoi, ça vaut pas grand chose. Donc le but de cette vidéo, c'est de soit choper pardon, un des trois là, ce serait le top du top. Et une des cartes oranges, parce qu'il y a des cartes oranges, j'en ai jamais chopé. Carte joueur future star là, jamais chopé. Carte je sais pas quoi, homme du match, jamais chopé. Toutes les cartes spéciales qu'il y a eu, j'ai jamais rien chopé les gars. Pourtant je peux te dire que j'en ouvre des packs. Tu sais que depuis FIFA, c'est de l'année dernière qu'il y a eu les premières légendes. J'ai jamais eu ce qui s'appelle une légende. Donc putain, s'il vous plaît, une carte de couleur, rien qu'une carte de couleur, ça me ferait extrêmement plaisir. Et après des gros générales, ça me ferait plaisir aussi les gars. Comme je vous dis pour mes SBC, franchement les SBC au final c'est la vie quoi. Bon, premier pack, évidemment. C'est pas ouf. Je préfère commencer comme ça par du 82 et monter petit à petit. Christensen 82, donc il va au club. Le top, là, je suis en train de faire actuellement Doucouré Première Ligue. Donc plus j'ai de joueurs de Première Ligue, mieux c'est. Et après, avec les cartes brillantes qui me serviront pas, je ferai le SBC où il faut choisir les 4 joueurs or. Vous voyez les 4 joueurs or rares là? J'ai eu des boosts dedans déjà. Donc c'est pas dégueu quoi, c'est des bons petits packs. Deuxième pack à 35 000, toujours pas de sol gris. Sol gris, ça fait un petit moment que j'en ai pas eu. Et quand j'en ai un, c'est en général du Fernandinho, du Verratti, du Iniesta. Donc c'est pas ouf. Donc là, deuxième pack, l'Eno 84. C'est intéressant, toujours pour mettre dans les SBC. Derrière, moi, mon but, c'est d'avoir le maximum de joueurs de première ligue actuellement. Donc là, j'en ai quelques-uns. Je vais peut-être faire aussi Casemiro, les gars. Je sais pas, Casemiro, il me tente bien. Le problème, c'est que j'arriverai peut-être pas à le rentrer dans ma team. Je pourrais peut-être le rentrer si je mets Juan Jesus, là, en joueur échange, en bas. Pack à 50 000, toujours pas. Oh putain, j'ai même pas les tableaux. Putain, c'est des packs gratuits, ils pourraient faire un petit effort. Et on a Forsberg. Forsberg qui fait une saison fantomatique. Hein. J'ai pas entendu parler de lui une seule fois, alors que l'année dernière, il y avait des boosts. Il y a 2 ans, il y avait des boosts. Jelson Martins. Recrue de Monaco, putain, il fait que dalle. Par contre, Martins, à mon avis, il va faire du bien à Monaco. Tout ça va. Ah, j'allais dire ça va dans la liste des transferts, mais je peux pas. C'est quoi, moi j'en ai. Et puis tout ce que j'ai là, ça va me changer. Ah bah tant pis, les gars. Zéro crédit. Hop, ça dégage. Moi j'ai un Lingard dans mon club, mais je suis trop attaché à lui, donc j'y partira pas, c'est sûr. Oh, sol gris les gars, une petite carte orange s'il vous plaît. Eh non, allez, un gros s'il vous plaît. Quand t'as Espagne MC, ça craint un Bayern. Thiago, putain, mais c'est pas possible, Thiago, je vais le choper à chaque fois, c'est un truc de ouf. Fort. Après, dans les SBC, comme je vous ai déjà dit, redit, ça fait plaisir. Le Conte qui va me suivre, combien de fois je vais l'avoir aujourd'hui? Ça fait déjà 2, on va voir dans les récompenses Fut Champion si je vais l'avoir. Déjà en espérant que les récompenses Fut Champion sont tombées. Eh ouais, merci. Donc voilà, j'ai fini hors 3. C'est le minimum syndical des gars, mais je m'arrête toujours à 14. Je vois pas pourquoi j'irai plus loin. Je sais pas si vous voyez les gros youtubeurs, ils font des élites et tout. C'est pas pour autant qu'ils sont mieux que moi. Donc mon record en carte rouge, moi, c'est toujours Felipe Anderson 86. On espère faire mieux dans l'équipe de la semaine. Il y a bah, évidemment les 3 attaquants qui me plairaient. Koulibaly, j'ai vu Joshua King, pourquoi pas. Et à Cardiff, il y a un MOC assez sympa, les gars. Donc on va voir tout de suite. Bah voilà, Joshua King 84. Pas de problème, je le prends. Ses stats sont loin d'être dégueulasses. Donc tout de suite, tu vas dans mon équipe, Joshua King. Ah ouais, merde, il faut appuyer sur quoi? Donc déjà, je suis content de Joshua King. Hein. Il sera émossé à la place de Lingard, je suppose. Bah, je suppose pas, je suis sûr même. Et derrière, oh putain, Reed et Visca. Du coup, j'ai Reed. Ouais, regardez sa carte, elle est pas dégueu hein, pour un émossé. Mais du coup, je vais mettre King en émossé, donc il va plus me servir à rien. Donc je vais prendre Visca 84. Hein. Qui pareil va finir dans les SBC ou quoi que je sais peut-être. Non même pas, il va même pas finir dans les SBC. Hein. Je vais le faire rentrer en cours de match. Ouais, tu sais quoi, je vais le faire rentrer en cours de match. Même pas, tu vois. Bah ça sera un de mes remplaçants, c'est sûr. Donc déjà, franchement, je suis assez content. Je sais que c'est pas ouf, hein. J'aurais pu avoir mieux, hein. Je suis pas débile. Mais franchement, je m'attendais pas mieux de toute façon. Donc voilà. Donc 2 packs méga et 2 packs à 50 000. Donc le sol gris, j'espère qu'il sera mieux que Thiago Alcantara déjà, si j'en ai un. Si j'en ai un, évidemment. Je ne vais pas créer victoire trop vite. Des petits tableaux, un petit boost, ça fait 10 000 crédits toujours. Mais moi, je les garde pour
les fameux SBC. Donc ça sera Fortunis 80. Hey, il y a des 80 partout. Voilà. Là, tu vois, je te donne une petite idée. Si tu veux, tu fais un Fortunis Mitroglou en attaque. Ça peut être superbe. Allez, tout ça dans le club. Et toi, une petite vente rapide sur ta tronchetta. Il me reste deux packs. Est-ce que je vais battre Thiago Alcantara? Putain, j'espère. Hein, parce que toujours pas de sol gris, les gars. Les tableaux, même pas de tableau. Putain. Forsberg? Ah non, c'est pas Forsberg, il est danois. Christensen. D'accord, ok. Si tu veux, tu peux venir, allez, vas-y. Restant, c'est pas terrible. Hop, hop, hop. Je vais les garder, les gars, parce que je vais faire les SBC, comme je vous ai dit, avec les joueurs rares et en espérant avoir du lourd. Et dès que j'aurai mis les premiers, j'irai chercher ceux qui sont dans l'indice de transfert, s'il te plaît. Et non, ils m'ont chié dessus, encore une fois. Putain, même pas de tableau, mais putain, mais fut champion, ça sert à quoi, putain? Et on a Rudy. Regarde, même lui fait la gueule. Même lui fait la gueule, il est dégoûté. Putain, ça me déprime, les gars. Donc, les gars, je pense que c'est la fin de cette vidéo. C'est pas, je pense, c'est sûr, les gars. J'ai plus rien à vous proposer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et vive fut champion, même si j'ai rien eu. Allez, ciao, ciao.